son produit. Alors ça c'est important aussi parce que c'est une volonté de démontrer un savoir-faire de chercheur. Et quelque part, dans tous les projets auxquels on peut être associé aujourd'hui, il y a des thématiques qui reviennent de plus en plus souvent, notamment sur Paris, hein, c'est la thématique plomb. Et quelque part, voilà, il y a des conditions de sécurité qui sont associées à chaque chantier aujourd'hui, qui sont très très contraignantes, pour justement que lorsque une façade, un monument est nettoyé, on va dire, l'écoulement du plomb, hein, ne se stoppe pas à un endroit. Nick Hayden, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des responsables du service de nettoyage des monuments historiques chez Karcher. Vous intervenez dans le monde entier. Oui. Sur de nombreux chantiers. Oui. Vous nous avez présenté dans des vidéos précédentes différents outils dédiés au nettoyage sur ce chantier complexe de l'escalier du fer à cheval du château de Fontainebleau. Et là, nous nous trouvons avec vous devant une cabine gonflable de décontamination. Ouais. Votre spécialité de chez Karcher, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est une douche de décontamination. On utilise la douche pour nettoyer nous-mêmes avant de quitter le chantier, parce que sur l'analyse, on a trouvé qu'il y a le plomb sur la façade, et à cause de ça, il faut toujours prendre une douche où il faut se nettoyer avant de quitter le chantier pour enlever le plomb et la poussière. Et dans la douche, on peut récupérer toutes les eaux dans un bassin, et comme ça on peut jeter les lots professionnellement et peut être à 100% sûr qu'il n'y a pas de plomb à l'extérieur du chantier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de participer à la rénovation de l'escalier depuis le début de l'année, n'est-ce pas? Mais le château est toujours ouvert au public. Mais notre exécution, on a nettoyé la première phase ou la phase 2, on a fait la exécution des nettoyages au mois d'août. Et oui, c'est correct que le château est toujours ouvert au public, et comme ça, il faut être sûr qu'il n'y a pas de la poussière ou les saletés qui sortent de leur chantier à l'extérieur pour pas déranger les visiteurs. Donc finalement, votre niveau de compétence, d'expertise est tellement élevé que vous pouvez intervenir, même en présence du public, sans que cela génère des nuisances. C'est correct, mais il faut protéger les chantiers, l'échafaudage et tout. Il faut tout trouver des mesures que tous les visiteurs peuvent encore visiter les châteaux. Il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut faire, que le visiteur peut encore venir sur le château. Mais en moment comme ça, avec notre méthode, on a réussi que toujours le visiteur peut venir au château. Rick Hayden, merci beaucoup pour merci à vous. Ces précisions, et certainement à très bientôt. Merci beaucoup.